Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va parler de pulsion de mort. Comme vous pouvez le voir, je suis accompagnée de Marie-Odile que je vous présente tout de suite. Bonjour, donc dans cette vidéo, voilà, on parle de pulsion de mort avec Marie-Odile. Marie-Odile qui est donc ma coiffeuse et qui a fait la coupe énergétique. Voilà. Oui, avec grand plaisir, j'ai fait ça. Ah ouais, c'était un moment incroyable que j'ai partagé d'ailleurs en vidéo. Hein, voilà, on vous mettra le lien dans le descriptif. Voilà, et qui a fait remonter quelque chose de fort en moi. Hein, une mémoire de honte et qui a permis de la libérer aussi. Alors, merci pour ça. Voilà, c'est pour ça que j'adore Marie-Odile en plus pour tout ce que tu fais. Bien, gentil, ouais. Gentil. Non, mais. Voilà, alors Marie-Odile, tu m'as demandé de faire cette vidéo. Oui, c'est moi qui t'ai demandé. En fait, c'est suite à la lecture de ton livre. Je suis allée le chercher, te voir, etc. Et puis j'ai commencé tout de suite la lecture et je l'ai dévoré en deux jours parce que j'ai trouvé que c'était très bien fait. Merci. C'est vrai, c'est sincère. Il y a une chose qui m'est apparue assez évidente dans ce livre, c'est la pulsion de disparaître. Avant de parler de mort, je parlerai des pulsions de disparaître. C'est un sujet qui me touche particulièrement parce que j'ai perdu une personne très chère il y a 11 ans. Et j'ai cherché pendant des années à comprendre comment on peut, quand on est un être assez équilibré, qu'on aime ses enfants, et que comment on peut décider un jour de disparaître. Voilà, c'est un sujet qui est pour moi est resté longtemps une énigme, malgré que je suis allée voir des psychiatres qui m'ont expliqué un processus qui peut se mettre en place. Et alors, intellectuellement, je peux l'entendre, mais je ne peux pas le comprendre. Je n'ai pas pu comprendre de cette manière. Et depuis que je suis très jeune, je lis des bouquins sur l'énergie, j'ai travaillé là-dessus sur moi depuis très longtemps. Et là, depuis que je suis ici depuis 3 ans, j'ai eu une formation donc en coupe énergétique et en massage shiatsu. Et du coup, l'énergie, je l'ai pour moi, mais aussi je la transmets aux autres et du coup, je travaille avec. Et je pense qu'en la travaillant, j'ai compris et appris des choses. Et maintenant, je sais qu'en fait, qu'est-ce qui fait qu'une personne peut passer à l'acte et qu'une autre ne va pas passer à l'acte? Je pense que c'est vraiment l'énergie, la clé. Enfin, c'est ma déduction. Et je voulais le témoigner et je te remercie de me permettre de le faire parce que j'ai longtemps voulu en parler, mais je ne savais vraiment pas comment aborder ce sujet qui est quand même complexe. Mais je sais que ça va parler à beaucoup de gens, parce que moi, je vois bien que quand on s'adresse à moi, enfin, je vois bien qu'il y a beaucoup de gens qui m'en parlent. Et voilà, pourquoi est-ce qu'on va passer à l'acte ou pas? Qu'est-ce qui peut faire ça? Oui. Et moi, ma réponse, c'est que c'est ça. C'est l'énergie qui va, à un moment, être présente et va nous sauver, être présente de façon positive, je veux dire, et quelquefois nous lâcher complètement. Une fois que l'énergie est épuisée, si on n'a pas travaillé dessus, enfin c'est l'impression de journée, eh bien elle peut complètement nous lâcher et du coup, je pense que, je ne sais pas ce que tu en penses, mais bien on sûr peut tomber dans un trou noir, dans un moment où c'est fini, quoi. Il n'y a plus l'essence. Exactement. Alors, tout à fait, je suis complètement d'accord avec toi. Notamment, je suis passée à l'acte, moi, et je vais en parler dans mon deuxième livre. Mon livre m'a ouvert différentes portes.
Là, je voulais simplement parler de la guérison. Et puis, il y a certains sujets sur lesquels je n'étais pas prête encore à évoquer. Et donc, maintenant, je me sens tout à fait prête. Parce que quand je vois que le partage que j'ai fait apporte énormément, c'est vraiment pour ça que j'ai envie de témoigner encore davantage. Et je te remercie de témoigner de cet événement qui est extrêmement souffrant, douloureux. Oui. Parce que pour la famille, c'est terrible. Donc, tu vas aider énormément toutes les personnes qui ont perdu quelqu'un. Oui. Qui s'est suicidé. Et j'espère aussi toucher des gens qui ont ces pulsions. Parce que je pense qu'on n'est pas à l'abri d'ailleurs, hein. Personne n'est à l'abri d'avoir ces pulsions. Mais vraiment, je pense que la clé, c'est de travailler sur l'énergie. Alors, il existe plein de méthodes. Toi, tu pratiques plein de méthodes qui peuvent aider. Et puis, on a la chance aujourd'hui hein, d'avoir plein de praticiens dans toutes sortes de méthodes où on va trouver l'énergie. Et je pense que vraiment, c'est une voie, c'est sûr, je pense que c'est une clé de guérison, si on peut appeler ça comme ça. En tout cas, ouais, si ça peut aider des personnes, éviter des passages à l'acte, je pense qu'il faut en parler. Oui. Ça m'est apparu évident en lisant ton bouquin. Je me suis dit, mais il faut absolument le dire. Oui. Il faut absolument le dire. Déjà, en fait, quand on parle d'énergie, on parle de quelque chose d'invisible. Donc, on commence à appréhender le monde de l'invisible. Moi, quand j'ai fait ma tentative de suicide, je suis restée donc 5 jours sans voir le jour. Je ne me rappelle pas de 5 jours. Voilà, pour moi, j'étais dans le coma. Ma maman m'a dit que je me réveillais quand même et que je disais que j'allais recommencer. Mais moi, je m'en rappelle, mais pas du tout. Donc, j'ai 5 jours qui sont totalement effacés de ma vie. Et c'est vrai que dans le passage à l'acte, moi, par exemple, je peux le dire, effectivement, j'avais plus aucune force, aucune énergie, aucune envie non plus de continuer à vivre. Il y a un épuisement énergétique. C'est ça, exactement. Voilà. Je pense que l'énergie vitale qui circule dans les méridiens est totalement bloquée à un moment donné. Ou épuisée, exactement, c'est ça, tout à fait. Donc, mais je pense qu'elle est bloquée parce que l'énergie vitale, elle est dans les reins. Et en fait, elle est insufflée dans les méridiens. C'est ce que nous disent en fait les Chinois. Mais je pense qu'à un moment donné, elle est totalement bloquée. Et du coup, comme il n'y a plus de circulation, voilà, il y a cette envie d'arrêter toutes les souffrances. Ce trou noir, je dirais. Parce qu'en fait, on ne pense à rien ni personne. C'est ça. Et c'est ça qui est terrible pour les personnes ensuite. Ils se disent, mais on se dit comment on peut faire ça quand on a des enfants, quand on a une femme, quand on a une vie. Eh bien, en fait, on ne pense pas à tout ça. Oui. Ça n'existe plus. C'est ça. Il y a vraiment un vide. Il y a un vide autour de nous, un trou noir. Oui. Je pense qu'on est vraiment dans des énergies de mort à ce moment-là, des énergies noires qui nous... Alors, moi, je pense que je peux, par exemple... parler, on a tous, je pense, des moments de dépression, des moments où la vie fait qu'en effet, on traverse des événements qui donneraient envie de disparaître. Et moi, je pense toujours à mon enfance où je sais que j'ai eu des bonnes énergies. Je sais qu'on m'a transmis ça quand j'étais petite. Et que du coup, il suffit que je repense à l'endroit où j'étais, je t'ai parlé tout à l'heure de la rivière, etc. Mais je sais que quand je repense à ça, je me recharge. C'est ça. Alors, la visualisation, c'est aussi une méthode. Hein, bien sûr. La méditation, la visualisation. Oui. Voilà. Moi, j'ai eu très tôt, je pense, des clés pour me sortir de tout ça. Mais je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Je sais qu'il y a... Voilà, donc, toi, tu n'as jamais eu d'envie de mourir. Elles sont fugaces. Voilà. Elles sont vraiment... Ça m'arrive. Ça m'est arrivé. Oui. Et ça peut m'arriver encore, mais elles sont vraiment fugaces, ça va durer, je sais pas moi, un quart d'heure, même pas. Et hop, ça y est, il suffit que je repense, je sais comment faire. Bien sûr. J'ai eu les clés, et étant, je pense, enfant, le jour se lève, c'est merveilleux. C'est ça. Voilà, je pense qu'on m'a donné cette capacité à l'émerveillement
Oui. Sur, voilà, de petites choses. Et ça, ça c'est de l'énergie. C'est oui. de l'énergie positive que je peux utiliser maintenant parce que j'en ai eu, moi, en réserve. Oui. Et puis, avec le métier que je fais, j'avoue que, bien sûr, je la travaille. Bah, et oui. que, on m'en donne. Mm. On m'en donne aussi. Mm. Je sais me protéger des fois des gens qui, eux, aspirent. Oui. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas faire autrement que d'aspirer celle des autres pour se recharger. Aussi. Bien sûr. Et donc, voilà, je pense que moi, j'ai eu les clés. Oui. Et donc, je voulais parler de ça parce que bah, si on n'a pas en soi reçu ça étant enfant ou, voilà, ou ado, je pense qu'après, il faut le travailler. Je pense qu'il faut aller chercher. Exactement. Il faut aller chercher des gens par des thérapies. Mm. Tu me parlais tout à l'heure d'EFT, c'est oui, ça ? Oui, EFT, oui. Ou voilà, d'autres thérapies, mais voilà, de trouver des gens qui vont vous recharger. C'est ça, exactement, oui. Oui, parce que, en fait, on parle d'énergie positive et d'énergie, on pourrait dire négative, mais c'est plutôt noir, en fait, j'ai envie de dire. Hein, parce oui. que, voilà, c'est d'énergie noire. Parce que quand on est dans une pulsion de mort, et pour moi, comme je l'ai traversé, j'étais dans des énergies noires. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus aucune lumière nulle part. Là, toi, ce que tu viens de dire, c'est que à un moment donné, tu pouvais te ressourcer et tu pouvais, dans ce noir, d'un seul coup, apercevoir la lumière grâce au fait que, ben, on te disait « Regarde cet oiseau qui vole, regarde ce jour qui se lève, regarde comme la nature est merveilleuse. » Pardon. On t'a appris à t'émerveiller. C'est ça. Et donc, il y avait de la lumière toujours, tout le temps, en fait. Hein. Voilà, ça arrive à beaucoup de personnes hein, d'avoir envie de mourir, ça, c'est sûr. Cependant, ce qui est grave, bien sûr, c'est de passer à l'acte. Comme je le dis toujours aux personnes qui viennent me voir, hein, parce que souvent, quand on passe à l'acte, déjà, c'est qu'on ignore une chose très importante, c'est qu'on ignore le monde de l'invisible. Quand on parle d'énergie, on parle d'invisible. Aujourd'hui, par exemple, moi, ça peut m'arriver de me dire « Ah ben, ce serait peut-être plus simple, allez, de monter là-haut. » Mais bon, je le dis avec un sourire parce que, évidemment, que maintenant, ça ne me viendrait plus du tout à l'idée de passer à l'acte. Pourquoi ? Parce que je sais qu'il y a le monde invisible. Et le monde invisible, c'est donc l'énergie qui est tout autour de nous. Ce sont les êtres qui sont autour de nous aussi et qui nous guident, qu'on appelle nos anges gardiens, nos guides, les êtres de lumière, voilà, et qu'on peut appeler, à qui on peut demander de l'aide. Quand on est dans ce trou noir, on pense qu'on est seul et qu'on n'a aucune aide, aucune lumière. Et donc, il y a ce passage à l'acte. Voilà. Sauf que je pense que de l'autre côté, ça ne se passe pas de la même manière. Hein. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. J'en ai parlé dans une de mes vidéos où je dis ce qui se passe après la mort, et notamment je parle du suicide aussi, où je dis qu'on peut rester coincé dans l'espace-temps parce qu'on peut ne pas monter tout de suite, parce que quand on ne croit pas à la vie après la mort, bah en fait, on n'est pas aspiré tout de suite vers la source, ou en tous les cas, on ne voit pas la lumière. Et donc, on peut ne pas monter tout de suite. Donc, ce qui est assez difficile à vivre pour les personnes qui peuvent se suicider, et d'où toutes ces personnes qui travaillent dans l'énergétique et qui les accompagnent et qui font un travail fabuleux pour ça. Hein. Patricia Daré en parle très bien aussi dans ses livres. Voilà, et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Voilà, bon, c'est un autre sujet, parce qu'on ne va pas trop dériver, hein, voilà. Mais tu as raison, et je te remercie de témoigner sur ce sujet-là, qui est un sujet quand même très impactant, très douloureux. Oui, oui. Voilà. Mais oui, ce que tu... Voilà, si je reprends finalement ce que tu voulais dire, c'est que toutes les raisons rationnelles que l'on t'a avancées... Oui, c'est ça. Ne t'ont pas rassasiée, ne t'ont pas... Elle ne me paraissait pas dans la justesse. Ça ne pouvait pas, pour moi, être juste qu'on me dise « Non, mais il y a un processus de dépression qui conduit à ça. Mmh. » Je suis d'accord. Parce que pour moi, je me dis « Non, même en grande dépression, tu ne peux pas occulter que tu as des enfants qui t'aiment, etc. » Tu ne peux pas. Non. Notamment, alors là, je parlais de ma famille, de mon cas, mais j'ai connu aussi quand mes enfants étaient petits à l'école, une maman qui avait deux petits-enfants qui est passée à l'acte, tu te dis mais
Non, cette maman, elle adorait ses enfants. Oui. Donc, à un moment... Mais c'est sûr. Ça ne peut pas être rationnel. Non, oui. Et puis surtout, en plus, il n'y a pas que les personnes qui sont dépressives qui se suicident. Et les personnes qui sont dans des énergies de vie, et notamment des enfants. Et notamment des enfants. Alors, qui, d'un seul coup, vont passer à l'acte. Non. Parce que, effectivement, je pense, je suis d'accord avec toi, il y a à un moment donné ce blocage d'énergie. Alors, bien sûr, il va s'être passé quelque chose. Bien sûr, ça peut être aussi une accumulation de choses. Dernièrement, là, je pense qu'il y a une personne qui travaillait dans le soin et qui avait d'énormes soucis d'argent, qui avait du mal à nourrir sa famille, qui en plus travaillait dans le soin, donc voyait un petit peu le contexte actuel, etc. Et du coup, je pense qu'elle a été totalement coupée dans ses énergies et est passée à l'acte malheureusement. Et donc, bien sûr qu'il y a des étapes, il y a des choses que l'on vit qui font que les énergies se coupent. C'est ce que j'allais te dire. Voilà. Bien sûr. Hein, bien voilà. Bien sûr. C'est ce que la personne vit et des épreuves qui la vident petit à petit de son énergie et qui fait qu'à un moment, voilà, elle n'en a plus pour résister. Mmh. Et justement, d'où mon petit message à mon tout petit niveau de dire rechargez-vous. Tant que vous pouvez, allez voir des praticiens qui vont travailler là-dessus et rechargez-vous en énergie. Parce que voilà, si la vie fait qu'à un moment vous en avez moins, voilà, le fait d'être rechargé, de savoir comment faire aussi, de savoir qui aller voir comment faire. Voilà, je pense que ça peut sauver des gens, d'enlever ces envies de disparaître. Ouais. Ah mais c'est sûr, tu as complètement raison, tout à fait. Oui. D'ailleurs, tu sais quoi, on va faire une autre vidéo justement pour expliquer ce qui se passe et comment on peut libérer, si tu veux bien. D'accord. Voilà. Alors, je vous remercie pour votre attention. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté. Surtout, n'hésitez pas à liker ou disliker si vous n'aimez pas. Voilà, mettez un commentaire aussi sur ce que ça peut vous apporter. Et puis, merci aussi pour vos abonnements. Je vous dis à très très vite et je vous embrasse. On vous embrasse, voilà, de tout notre cœur. Au revoir.